Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous parler des défis de Rift Tour qui vont arriver sur Fortnite très prochainement. Alors là, l'image que vous voyez à l'écran, c'est justement le nouvel onglet qui va arriver sur Fortnite prochainement. À la place de l'onglet carrière, nous aurons l'onglet social. Et en fait, dans cet onglet, vous pouvez voir la date de l'événement Rift Tour, comme vous pouvez le voir, qui sera en Europe à partir du 2 juillet à 10h du matin. Alors j'ai l'impression que toutes les dates qui sont affichées, c'est tout simplement les fuseaux horaires de chaque continent. Comme ça, quand vous vous posez la question à quelle heure l'événement commencera en Europe, en France par exemple, ben vous allez voir dans Social et vous aurez l'heure exacte de la France et vous aurez même l'heure exacte de l'Amérique, de l'Asie, etc. Alors maintenant qu'on sait que le Rift Tour commencera à partir de 10h le 2 juillet, je vais vous présenter les défis qui sont liés à cet événement et que normalement seront disponibles aujourd'hui à 16h. Et je vais vous montrer ce que vous allez gagner. Alors regardez, la première image montre qu'il va falloir interagir avec des posters du Rift Tour. Alors je ne pense pas qu'il faudra interagir avec les posters de Ariana Grande. Je pense qu'il y aura un nouveau poster qui sera le poster du Rift Tour qui apparaîtra prochainement sur Fortnite. Et il faudra interagir avec ce poster. Bien entendu, je vous présenterai une vidéo des emplacements des posters dès que le défi sera disponible sur Fortnite. Alors le deuxième défi va vous demander d'utiliser une dalle holographique extraterrestre au sommet de l'OVNI festif. Alors pour ça justement j'ai fait une vidéo à ce propos il y a quelques heures sur ma chaîne YouTube qui vous présentait les nouvelles dalles holographiques. Donc là ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement utiliser une dalle holographique extraterrestre au sommet de l'OVNI festif. Alors l'OVNI festif c'est l'OVNI qui se trouve en plein milieu de la map. Donc la soucoupe extraterrestre qui survole le milieu de la map de Fortnite. Ensuite, le troisième défi va vous demander de réserver la date dans l'onglet Rift Tour et faire une partie. Donc je pense que pour réaliser ce défi, vous allez devoir aller dans Rift Tour, comme je vous le montre dans le gameplay, et sélectionner Europe, ou voire même descendre dans les onglets pour réserver une place et dire que vous participez à l'événement. Alors c'est un peu spécial ce nouveau principe, donc bien entendu je vous éclairerai sur ce sujet plus tard quand ce sera disponible, parce que pour l'instant c'est un peu brouillon, je ne comprends pas vraiment quel est l'intérêt de réserver sa place. Mais bon, nous verrons ça prochainement. Et il y a un dernier défi qui va vous demander d'assister au Rift Tour. Donc là, bah, tout simplement, il faudra assister à un petit événement peut-être, qui sera possiblement le jour de la sortie de Rift Tour, donc le 2 juillet à 10h. Peut-être que ce sera pendant toute la journée, ou alors faudra aller dans la map Party Royale sur Fortnite pour participer au Rift Tour. Alors j'en sais pas plus, mais je vous tiendrai au courant dès que ce sera possible. Alors pour ce défi, il n'y aura pas de récompense, mais par contre pour les trois autres défis, comme vous pouvez le voir, il y a une récompense qui est un aérosol qui s'appelle la faille de maître. Ensuite vous avez aussi un petit logo, j'ai l'impression, qui s'appelle Minou Nuage. Et vous avez un écran de chargement qui s'appelle Câlin Cosmique. Donc voilà pour toutes les informations à propos de Rift Tour. J'espère que cette vidéo d'info vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.